Les objets des Incas vers 1500. Le lama et la paga sont des animaux très importants dans la vie des Incas. Ils les élèvent d'abord pour leur laine, qui sert à tisser la plupart des vêtements. On utilise leur peau pour faire du cuir et confectionner des sandales et des sacs. Puis, on se sert des os pour fabriquer des aiguilles qui servent au tissage des vêtements. Les Incas fabriquent plusieurs objets d'artisanat dont les plus importants sont les tissus et les tapisseries multicolores. Les pièces tissées par les Incas sont très belles et on leur accorde une grande valeur. On les donne souvent en cadeau à l'occasion des mariages. Les vêtements qu'ils fabriquent sont de couleurs très vives et sont décorés de plusieurs formes et symboles. Pour leur donner ces couleurs vives, ils fabriquent des teintures à l'aide de plantes, d'arbres, de coquillages, de minéraux et d'animaux. Par exemple, le rouge éclatant de leurs vêtements provient de la cochinéa, un petit insecte qui vit sur les cactus. Chez eux, les vêtements sont une façon de montrer leur importance dans la communauté. Les Incas fabriquent aussi plusieurs bijoux et décorations avec des métaux précieux comme l'or et l'argent. Les Incas sont également très habiles pour faire de la poterie. Ils fabriquent des objets en argile qu'ils utilisent dans la vie de tous les jours et lors des rituels religieux comme récipients pour mettre des liquides.